Yeah, I am ready for the show. Comment tu veux ça que tu veux dire? Ça se dit pas? Et c'est parti pour la deuxième session d'aventure de Maurice. On est bien content de vous retrouver. Ça fait une semaine qu'on filme pas, on est comme ça. Alors oui, parce que bah, comme je vous avais dit, je crois, j'avais programmé plein de consultations sur la semaine, du coup, sur Annecy. Et là, on est reparti pour 2 semaines, un truc comme ça, pour ensuite refaire revenir sur Annecy, faire les consultes, si le confinement n'est pas programmé entre-temps. Et puis, alors la grande nouveauté du jour, c'est que Monsieur Enco a décidé au choix de marcher ou de manger du caca. Et que, et que dans Maurice, quand il y a une odeur qui pue, c'est magique. Non, c'est franchement... C'est en plus, vous voyez pas, mais il respire la gueule ouverte, ouais, c'est horrible. Oui. Bref, on va y arriver, je pense qu'on va survivre à ce voyage. Donc la direction la Bourgogne, c'est bien en Bourgogne, c'est ça? Je crois que c'est ça. Vers Paray-le-Monial pour la nuit, si on y arrive, parce qu'on est hyper à la bourre, il est 1h, en plus avec le changement d'heure. On devait partir à 10h. Oui, on devait partir à 10h. On a vraiment, vraiment des problèmes d'organisation. Non, mais... pas du tout, on n'était pas prêts du tout. Oui, non, mais préparé. Voilà, on n'a rien préparé parce qu'en fait, on se rend pas compte, on se dit, ah, ça va, il y a juste le linge à prendre et puis c'est tout. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche, ça prend des heures et des heures. Et voilà, on est en retard. Fermez, moustache, je suis en retard. Mais c'est pas grave, enfin, on verra ce soir ce que ça donne. On espère arriver avant le couvre-feu, du coup, à Paray-le-Monial. Et puis voilà, et ben écoutez, bonne journée, les amis, et à ce soir. Ciao! Punaise, les copains, on a oublié de vous dire un truc. On va en Bretagne. Ah oui. C'est super important, ça, non? T'es sûr que c'est pas le Tour de France? Le Tour de France, c'est en été. Hey, t'as vu qu'il y en a qui... Ouais. Oh, les... Mais il y a du monde, là. C'est de la triche, ça. Déjà, ils sont tous piqués. Mais ils sont jeunes. Bah ouais, mais c'est... Ah, mais c'est peut-être non, par non, contre... Non, ils sont trop jeunes, c'est le Tour de France Junior, un truc comme ça, c'est sûr. Comme ils vont... Oh là là. Et c'est voilà. Bon, c'est fini. Oui, ça va, c'est pas bon. Bonjour les amis, Mathias est en train de se préparer pour partir, du coup c'est moi qui vous fais la petite vidéo plante aujourd'hui. Ici vous avez du coup dans ce champ plein de lamier rouge. Le lamier rouge ça se mange, c'est une super bonne plante qui a un petit goût de champignon. Elle est de la famille des orties, on l'appelle ortie rouge aussi parfois, mais elle pique pas. Hein. Il y a plein de lamiers qui piquent pas, les pierres par exemple. Donc là, malheureusement, vous voyez où on est, on va pas les cueillir parce qu'il y a Maurice et vous avez un parking et pas loin l'autoroute, donc c'est pas la bonne idée. Mais par contre, si vous en avez dans un champ, alors faites attention aussi, il faut pas que ce soit un champ de pâture parce qu'il risque d'y avoir des maladies à cause des animaux. Mais vous pouvez y aller tranquillement, je vous mettrai des infos où Mathias vous fera peut-être une petite fiche ou sur Insta, enfin je vous mettrai ça en description. Avec plus d'informations sur cette jolie petite plante. Voilà, bonne journée. Salut la Maurice Family. On espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous, on est super contents. Oui, on a trouvé un super spot pour se poser. Mmh. C'est génial. C'est au bord de l'eau. Une rivière. Malheureusement, on ne peut pas le lâcher. Ouais, il y a des bactéries, des cyanobactéries dans le lit de la rivière ou du fleuve. C'est une rivière, je pense. Et oui, du coup, oui, on peut pas le lâcher parce qu'il risque d'être empoisonné. Enfin, il y a des panneaux qui disent que les risques sont vraiment importants, donc on peut pas. On va pas le faire. Il est un peu triste, du coup. Ah oui, il tire un peu. Il a vraiment envie d'y aller, mais bon, bref. Aujourd'hui. Lui non plus, il peut pas aller se baigner. aujourd'hui, on est allé. Enfin, on a fait beaucoup de routes parce qu'il faut qu'on soit à Nantes le 1er avril. Et on est parti le 28, je crois. Et on va arrêter avec les dates. Ouais, bon, peu importe, mais en tout cas, on a que 4 jours pour y aller. Ouais. Du coup, il faut qu'on roule à peu près 3h30 par jour. Et puis aujourd'hui, oui, comme il y a le confinement dans la Nièvre, en fait, on n'y avait pas pensé. On a dû faire un petit crochet. Oui, on a dû changer la route. Normalement, on aurait juste traversé une trentaine de kilomètres. Ouais, mais on ne voulait pas être embêté, on ne sait jamais, on ne sait pas trop comment ça se passe dans ces cas-là. Donc, on a décalé un petit peu, ce qui a fait qu'on a roulé un peu plus. Mais bon, voilà, on s'est retrouvé là ce soir.
pour l'instant, le copilote fait bien son travail. Et donc, ouais, on est moins stressé déjà. Parce que Elou nous a fait un beau plan de route, hein, vraiment détaillé, tout avec les arrêts. Même les ce qui fait que, ben voilà, on arrive, on n'a qu'à se poser, on n'a même pas à réfléchir. Tiens, on va regarder sur l'appli, cool. on va chercher sur la carte. Ou ouais, on sait exactement comment c'est et tout. Et puis hier, d'ailleurs, on a dormi dans un endroit qui était vraiment génial. La municipalité était, enfin, franchement, ils ont fait un truc génial. Les aménagements étaient vraiment, vraiment c'était bien. C'était top. Par contre, c'était un peu près de l'autoroute. Du coup, on n'a pas très bien dormi. C'est vraiment une nationale. Ah ouais, bah les camions qui passaient. Mais bon, enfin, l'effet. C'était le même quoi, les camions qui passaient toute la nuit. Je me suis réveillée avec la tête, enfin comme si j'avais pas dormi quoi. Je pense que bref, peu importe. Ça a pas reposant. Non, c'était pas reposant du tout. Par contre, on a vu la pleine lune. Je vous mettrai un time lapse de la pleine lune splendide. Bah, vous allez voir. Ouais, ça. Je vous le mets là maintenant. En vrai, trop beau. Ouais, franchement. On voit plus de détails quoi, mais. Bah, c'est surtout que ça apparaît plus près que quand tu filmes. Oui. Et c'est peut-être pour ça qu'on a mal dormi aussi. Enfin, l'autoroute, ça aide, c'est sûr. Mais bon, bref. À choisir, je pense que c'est plus l'autoroute. Les camions. Qui... Et voilà, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Bah, aujourd'hui, on a voulu, aujourd'hui, on a travaillé. Voilà. C'est bien parce qu'on a pu se poser, vous le voyez, de toute façon, le campement là. On a pu se poser dehors pour travailler, ça, c'est vachement bien. Ouais, il faisait beau et chaud. Jusque maintenant, il faisait quand même bien froid. Donc, Enfin, jusque maintenant, il veut dire le premier voyage où on s'est caillé, il y avait du vent tous les jours et tout. Et même hier, il faisait froid aussi. Ouais, c'est vrai. Frais. Mais c'est apaisé, la température est tranquille, il n'y a pas de vent, c'est trop bien, il n'y a personne autour. 23,5 degrés, j'ai l'impression d'être en plein été. Et là, il y a un coucher de soleil dans les arbres, je vais essayer de vous montrer sans vous faire vomir. Non, c'est surtout que je vais leur faire mal aux yeux. Bah, je vais peut-être vous faire mal aux yeux, on va voir, on tente. Allez, c'est parti, c'est par là. Voilà, non, je crois que ça va. C'est bien. Ça tremblote un peu, j'imagine. Vous êtes encore là Voilà, c'était le coucher de soleil et on va en profiter. En même temps et nous, on va en profiter pour manger au bord de l'eau. Dehors, et si voilà. On peut. Ouais, on verra parce que ça commence à refroidir. Ouais, il fait un peu plus frais, mais bon, on va en profiter quand même, je pense, un petit peu. Voilà, et on vous souhaite une bonne soirée et puis et à bientôt. Gros. Catastrophe hier. Donc pour voir quelque chose aujourd'hui pour la conduite, on est obligé de faire ça. Voilà. Salut la Maurice Family. Vas-y, dis-le. On est vendredi 2 avril. On est le 2 avril, voilà. On s'est dit, avant de commencer la vidéo, bon, on est quel jour pour pas oublier. Là, on est sûr de nous, c'est le 2, c'est sûr. Donc, on est au Cap de la Chèvre. C'est magnifique. C'est un endroit... Enfin, vous avez le Finistère avec trois pointes comme ça, là. Enfin, pardon, hein. Ça fait pas exactement comme ça, mais... Là, c'est trois pointes, quoi, comme ça. Trois pointes. Et nous, non, je vais pas vous le montrer parce que c'est celui du milieu. Voilà. Ah, moi je peux, regarde, c'est celui-là. Voilà. Ouais, tu fais comme ça. Il y a la pointe du rat là. Ouais. Et là, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus non plus. Bon, j'ai essayé de regarder tout à l'heure, mais on pas est là. Coupé. Là, pile poil. Là. Voilà, au bout du bout. Au bout du bout de la pointe de la chèvre. C'est super non, joli. Au bout du bout, c'est la pointe du rat, je crois d'ailleurs, la plus loin dans la mer. L'océan, pardon. Non. Bon. On le mettra peut-être. Donc en tout cas on est là et on est trop bien, on est posé au milieu des ajoncs en fleurs, il y a un peu de vent, enfin tout est trop bien, ça sent pas trop l'odeur je veux dire, la mer, le sel, parce qu'on est quand même, falaises, c'est des falaises, oui mais quand même des fois on sent bien le sel, enfin bref là on sent pas en tout cas, mais c'est pas grave parce qu'on est trop contents, c'est trop beau. C'est un vent qui va vers le large, c'est pour ça, d'accord.
Et donc, aujourd'hui, on est allé... Enfin, on va vous faire le topo plutôt. On était à Nantes à la base, le 1er avril. J'avais rendez-vous pour un petit chat qui avait une pancréatite. Et du coup, après l'après-midi... Enfin, normalement, on avait prévu de rester sur Nantes si les événements n'avaient pas été comme ils sont avec le confinement. Donc, effectivement, et là, c'est reconfinement... général, et on voulait pas rester dans une ville en fait pour le confinement. Non, déjà, non, ça, on voulait, ouais, déjà pas dans une ville, et puis on voulait surtout pas, enfin, surtout pas, on a tout fait pour pas retourner en Haute-Savoie parce qu'on trouvait ça complètement stupide de faire la marche arrière. Et ouais, parce que à la base, on avait prévu de passer un peu de temps en Bretagne, consultation, essayer de trouver quelques stages dans le coin, et après de partir en Normandie. Donc là, repartir à Annecy pour refaire le trajet dans un mois après le confinement. Ça n'avait pas de sens. Niveau écologie, puis même niveau du temps, niveau de tout, pour le travail, il n'y a rien qui allait. Donc on a tout fait en sorte pour rester ici. Et donc on est allé à la mairie de l'endroit qu'on a trouvé pour demander si c'était OK pour eux qu'on reste. Et a priori, s'il n'y a pas de changement, parce qu'ils ne sont pas super au courant non plus. C'est ça, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire eux. Donc ils ne savent pas s'ils ont le droit d'accueillir aussi des camping-caristes. Donc ils ne savent rien, mais en tout cas, ils ont dit OK par principe. Donc normalement, moi, je pense que ça va le faire. Voilà, c'est un endroit où on ne sera pas un endroit tranquille, embêté, on ne sera pas embêté a priori. Qu'il n'y a pas l'océan, on n'est pas directement dans l'océan, on est en bout de gouille, en gros, qui se jette après dans l'océan. À marée basse, il n'y a plus grand-chose. Voilà, il n'y a plus d'eau quasiment. Et donc on n'avait pas, on va passer un mois en Bretagne et ça on est hyper heureux, en plus le village est magnifique, vraiment typique breton et tout, mais on n'aura pas petit port. C'est trop mignon, et on n'aura pas la vue sur l'océan, et bon on s'est dit quand même on a envie de le voir avant de se confiner, donc on est venu au Cap de la Chèvre, c'est pour ça, et donc on passe la nuit ici. Voilà, on va faire ça, puis demain soir on va se poser un peu ailleurs aussi avant de rejoindre notre port d'attache. Voilà, et là je suis désolée, je suis en train de me trifouiller les cheveux, mais je vous montre quand même, j'ai mes cheveux bretons. Mes petits cheveux bretons. Parce qu'on a pris le vent au Cap de la Chèvre. Et... cela étant, j'avais une tête un peu, un peu impossible aussi. Bah oui, bah faut pas avoir envie d'être beau quand tu vas dans un... Il faut être chaud. Il faut être chaud, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas notre cas, du tout. Enko aussi, il avait la touffe en pagaille, c'était drôle. et oui, alors il y a un truc qui s'est passé hier soir aussi. Donc après Nantes... sur la route de la Bretagne, enfin de la Bretagne, Nantes aussi, c'est en Bretagne. Bah oui. Bref, bon, Bretagne historique. et donc sur la route, on s'est arrêté parce qu'il y avait trop de chemin pour aller jusqu'où on voulait aller. Et il y a un endroit incroyable. Je suis en train d'essayer de me rappeler. C'est un nom machin du calvaire. Madeleine du calvaire, un truc comme oui, ça. Oui, la Madeleine du calvaire. La Madeleine du calvaire, et en fait c'est un lieu de pèlerinage. Enfin, ce matin là, il y avait un petit groupe qui portait une croix jusqu'en haut. Ouais. Et il y a des quarts d'enfants qui sont arrivés. Mais oui, c'est un gros lieu. A priori, c'est un gros truc. Nous, on connaissait pas. Les installations qu'il y a, c'est quand même vraiment. C'est incroyable, c'est hallucinant. Si j'ai bien compris, c'est un abbé qui a fait faire ce chemin de croix là, mais il est immense. Il va dans toute la ville, enfin le village, parce que c'est quand même pas immense non plus. Et il y a un espèce de château, enfin, nous du coup, on est allé le visiter de nuit, on a fait quelques plans, je ne sais pas s'ils sont montrables, parce que on verra parce que, à oui, quoi ça ressemble, forcément il faudra pousser la luminosité, je vais en mettre un ou deux quand même comme ça, parce que c'était juste pour vous faire mal. C'était drôle, on a passé une super soirée, franchement on a trop rigolé à visiter de nuit comme ça, c'était marrant. Et les copains, vous avez vu Projet Blair Witch? On est dans un projet. Il vient d'éteindre. Oh non. On a les pétoches. Voilà. Voilà ce qu'on a. Non, mais c'est vraiment. Waouh. Non, c'est très, très, très beau. C'est vraiment impressionnant en fait. Ça donne toute une dimension assez incroyable. Regarde, tu peux faire un zoom sur le visage de ce personnage là. C'est bien. Moi, je pense que dans la chrétienté, mais comme dans toutes les religions, il y a un truc qui est problématique, c'est la vision des religions par rapport aux animaux. Et tu vois, je pense que Enko, là, il fait pas pipi, il est gentil et tout. Et il mérite d'être là avec nous. Oui, évidemment. Bah oui. Et on a vu un feu d'artifice aussi. Ah ouais, c'était drôle. Ça, c'est incroyable. Il y avait on était tranquillou dans Maurice. Ouais. Et là, on entend...
Deux jeunes, je pense que c'était des ados, je sais pas trop. Enfin, non, c'était non, dans non, le non, noir. Non, c'est vrai. Ouais, à Ah mon ouais? avis, c'était la vingtaine. Enfin bon, oui, du coup, ils étaient là à Petite vingtaine. tirer leur feu. Et puis quand on est sortis, ils ont dû croire qu'on allait les Ouais, engueuler. on est sortis super vite pour en profiter, quoi. Et du coup, enfin, on leur a dit merci et tout, ils étaient tout Ouais. contents. C'était chouette, voilà. On a Ouais, passé... Mais franchement, vraiment une c'était super soirée, improbable, c'était mais chouette. c'était, oui, de bout en bout. Là, je sais pas si ça va être aussi chouette ce soir, mais en tout cas. Oui, parce que du coup, c'est un parking Mmh. qui accepte le stationnement des camping-cars. Et C'est une réserve, donc il faut pas non plus sortir tout l'attirail. on a On un n'est peu pas un camping, les uns quoi. sur les Mais autres et oui, par on peut contre, ouais, pas. on s'est mis un autre bout du parking. Oh! Et bon, y a quelqu'un qui s'est mis juste derrière. Il y Et a puis un bon, couple, ça enfin n'a pas peut-être duré. un couple, je sais pas Ah ou oui, ils pas. ont deux chiens, ils sont magnifiques. Ils sont Trop trop beau. énormes. Ils sont trop beaux. C'est On a trop envie un d'aller van les voir. aménagé. On peut Bon, pas vous il est montrer, quand ça même se pas fait mal. pas. Il est assez grand, mais Ça se fait pas. Ils ont deux énormes chiens qui Ouais, prennent toute c'est. la place. Enfin bref, Ils doivent j'ai être un trop peu envie de les serrés, mais inviter ça. à... Ouais, j'ai trop carrément. envie de les inviter dans Maurice, mais ah là là, vivement qu'on ait le flocage, faut vraiment qu'on s'en Ouais, occupe. c'est vrai, c'est Enfin, vrai. bref, on va D'ailleurs, peut-être arrêter de causer. Parce Ou que le pas. vlog, il est censé faire 15 C'est vrai, minutes et là, on mais parle depuis 1 non, minute 30. c'est vrai. Donc, on vous laisse. Et puis, à bientôt!